Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre 2020. Et le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai vu quelque chose d'horrible. J'ai vu un phénomène comme le même phénomène qui s'était passé dans la zone de Kumba. J'ai vu comme ce même phénomène se reproduire dans le Cameroun. Mais sauf que cette fois-ci, c'était comme dans la zone du nord-ouest, plus précisément à Bamenda. Et j'ai vu des personnes sorties de la brousse. J'ai vu des personnes sortir de la brousse, ils étaient nombreux. Et je les ai vus courir en direction de la population, voilà, de Bamenda. Et j'ai vu, ils avaient comme des armes blanches. J'ai vu, ils avaient comme des armes blanches. Et ils entraient dans les maisons, dans la ville de Bamenda, ils entraient dans les maisons et ils terrorisaient tout le monde. Je les ai vus terroriser tout le monde. J'ai vu les gens des maisons fuir. Et j'ai vu ces assaillants qui sont sortis de la brousse. J'ai entendu leur voix, comment ils disaient que vous vous êtes alliés avec le gouvernement. Vous avez acheté nos terres au gouvernement. Vous vous êtes alliés, vous avez vendu nos terres au gouvernement. Et vous vous êtes alliés au gouvernement. Et ils se sont mis à terroriser la population de Bamenda. Ils étaient nombreux. Et je les ai vus sortir de la brousse. De la brousse. Voilà, je les ai vus sortir de la brousse. Donc, partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez cette révélation, partagez cette prophétie, voilà, qui m'a été donnée maintenant par le Saint-Esprit. Et mettons-nous en prière. Sinon, nous allons voir le même phénomène qui s'est produit dans la ville de Kumba se reproduire dans la ville de Bamenda. Parce que j'ai vu ce groupe terroriste sorti de la brousse. J'ai vu ça clairement. Je les ai vus sortir de la brousse avec des armes blanches. Et je les ai vus terroriser la population. Ils entraient dans les maisons et ils découpaient les gens avec les machettes. Ils entraient dans les maisons. This is a nearby bar where it actually happened. Thank you.